dernière question, 15 secondes, on n'a pas beaucoup plus de temps, sur vos motivations. Est-ce qu'il y a une volonté d'apparaître, a posteriori, comme celle qui avait prévenu, d'être la Nouriel Roubini de 2011 et puis de faire s'apprécier la valeur Mireille Zaki? Alors, ça, en fait, Alexis s'est demandé est-ce qu'il y a l'ego qui est derrière ça. Exactement. Mais quand on prend de tels risques, voilà, d'être la Cassandre, de se faire un nom, de vendre beaucoup de livres, quand on prend de tels risques et on prend un tel parti pris, quand même, on est vraiment, on a 50-50% de chance de complètement mettre sa crédibilité en jeu, de la détruire. Et c'est une conviction profonde. Et encore une fois, c'est vraiment une révolte contre la mollesse de l'opinion qu'on entretient ici et le manque de pensée. Je trouve qu'on n'a pas de penseurs suffisamment critiques en Suisse romande. Eh bien, on vous croira. Merci Mireille Zaki d'avoir participé au Grand Oral. Moi, je travaille pour le magazine économique Bilan. Effectivement, je suis auteur de quelques livres assez critiques sur la dérive qu'ont connu les marchés financiers ces dernières années, parce que, ayant suivi depuis maintenant bientôt 15 ans l'évolution des marchés financiers, j'ai vu à quel point ils jouent un rôle fondamental dans ce qu'on appelle actuellement la crise. Alors, on est en crise, n'est-ce pas, et on ne sait pas vraiment pourquoi. Pourquoi maintenant? Par exemple, vous avez tous constaté que tout d'un coup, la Grèce était en crise. Tout a commencé par le fait que fin 2009, les agences de notation... Les trois plus grandes agences de notation financière au monde, déjà centenaires, ont une seule vocation, évaluer le risque qu'un agent économique ne puisse pas rembourser ses dettes. Quand l'agent économique est sûr de pouvoir rembourser, il décroche la meilleure note, le triple A. C'est aujourd'hui la note de l'Allemagne, par exemple. Et plus la certitude de rembourser s'estompe, plus la note baisse. Une mauvaise note risque ainsi d'étrangler un pays en difficulté. Les agences de notation, certains leur prêtent la capacité à prévoir l'avenir. En fait, ce sont des astrologues. Bon, mais le problème, c'est que si tout le monde croit à l'astrologie, alors l'astrologie devient vraie. Les critiques fusent contre ces agences de notation qui, d'ailleurs, n'ont vu venir ni la crise des subprimes en 2007, ni la bulle Internet en 2000, ni la crise asiatique en 1997. Moi, je voudrais vous dire une chose. On est avec des gens qui ne sont pas sérieux. Nous devons cette crise aux agences de notation qui ont noté des produits triple A dans des conditions scandaleuses, de conflits d'intérêts scandaleux. Bear Stearns was rated AAA like a month before it went bankrupt. More likely A2. A2. Yeah. Okay. A2 is still not bankrupt. No. No, it's a high investment grade, solid investment grade rating. Lehman Brothers A2 within days of failing. AIG AA within days of being bailed out. Fannie Mae and Freddie Mac were AAA when they were rescued. Citigroup, Merrill, all of them had investment grade ratings. How can that be? Well, that's a good question. En clair, vous validez le scénario quand même d'un double langage des agences américaines, des agences de notation qui d'un côté... Je pense que oui, vous ne mordez pas la main qui vous nourrit. Vous vous occupez d'abord des Européens. Si une agence de notation dégrade la note d'une entreprise et que celle-ci ne peut plus emprunter, alors même que l'agence s'est trompée dans sa dégradation sur des faux chiffres, eh bien elle s'en sort sans aucun problème. Et si ce pouvoir s'étend aux États, voit qu'on Mais bien sûr, et aux États aussi, parce que ça augmente les taux d'intérêt, etc. Donc elle travaille en totale impunité. Les agences de notation ont dit que certains petits pays de la périphérie de l'Europe, dont la Grèce, eh bien leur taux d'endettement était... C'était un peu détérioré, c'est-à-dire qu'il n'était pas satisfaisant et qu'il fallait qu'ils reprennent un peu en main leurs finances publiques. C'est tout. Donc les agences de notation n'ont pas dit que ce pays était en faillite. Ils ont simplement dit, dans les prochaines années, il faudrait que la Grèce essaye de tenir mieux son budget. D'accord? Ça, c'est ce qui s'est passé fin 2009. Qu'est-ce qu'ensuite a vraiment déclenché la crise? C'est qu'il y a eu une réunion entre 5 hedge funds, c'est-à-dire entre 5 fonds spéculatifs. I think a lot of people don't appreciate the tremendous money machine that hedge funds are, where we're used to calculating net worth, and net worths go up and net worths go down, but these guys, they're taking cash off the table every year. Explain for a lot of people how this works. If, when run properly, these hedge fund firms really are, as you say, money-making machines. Je répète, là, 25 plus hauts dirigeants de hedge funds, 25 milliards de revenus personnels en 2009. C'est complètement délirant. Trouvez pas? Je partage votre opinion. The
These 40 guys, and they're all men, correct? There is one woman, Alida Braga, in London, but other than that, they are all men. Mais les par plus contre, gros, par exemple, ils ont un impact important. On les voit en ce moment, on dit qu'ils spéculent beaucoup sur la dette grecque, sur l'euro. Lorsqu'ils voient une entreprise qui est faible ou une devise qui est faible... L'acheter par terre. Exactement. Ils peuvent la pousser et provoquer à ce moment-là sa chute pour peut-être la racheter. Mais c'est terrible, ça, monsieur Guy, vous ne trouvez pas? Oui, en question morale, je vous dirais, oui, il y a des questions à se poser sur certaines transactions des fonds de couverture. Okay. Qu'est-ce qu'ensuite a vraiment déclenché la crise? C'est qu'il y a eu une réunion entre cinq hedge funds, c'est-à-dire entre cinq fonds spéculatifs américains, dans un restaurant à New York. Un journal américain a raconté cette histoire, ce n'est pas du tout de la fiction. Cinq fonds, dont le fameux George Soros, qui est celui qui avait fait couler la Banque d'Angleterre à l'époque et qui avait gagné 2 milliards sur une opération où il avait dévalué la livre sterling. Alors, ce fameux Soros, avec quelques autres spéculateurs et raideurs américains, décide que maintenant que la crise des subprimes américaines est passée, il faut qu'ils trouvent une nouvelle proie pour se faire énormément d'argent. C'était en février 2010 exactement, dans un restaurant new-yorkais, qui fait des très bons steaks, paraît-il. Et ces gens-là ont décidé de manière concertée, et j'insiste sur ce mot, d'attaquer l'euro à travers d'abord la Grèce et ensuite tous les autres petits pays périphériques. L'idée étant que si vous faites couler un petit pays comme la Grèce, il y aura effectivement un phénomène de panique sur les marchés qui fera que les autres pays voisins vont être contaminés, si on veut, parce que les investisseurs vont vendre aussi leurs titres sur ces pays et que ces fameux spéculateurs vont pouvoir s'engraisser à l'infini sur, en réalité, la faillite de la périphérie de l'Europe, voire de l'Europe entière. Quelque part, George Soros essayait de recréer le même coup qu'il avait fait et qu'il a rendu milliardaire dans les années 70. As you point out, you and other investors have famously taken advantage of unsustainable situations in other countries. Aren't the kinds of policies that we see in place today similarly unsustainable? The Fed nor the ECB can continue inflating their balance sheets forever. The Swiss National Bank can't depress the value of the Swiss bank forever. Does that create similar opportunities to the ones that you took advantage of? Well, opportunities and dangers. I am no longer speculating on the market. Understood. I'm now in a sort of poacher turned gamekeeper trying to keep the system together because I really think it matters for all of us, for humanity, for hedge fund managers as other as human beings that, you know, our civilization should survive. So I'm right now on the sort of on the side of the angels. Not an easy role to play. Now, ça a été peu raconté, ça n'intéresse pas grand monde. Quand vous en parlez au secteur bancaire et financier, à des gens qui travaillent à Genève dans le métier de la finance, ils vous disent « mais non, tout ça c'est très marginal, ça n'a rien provoqué ». Et pourtant, on sait très bien que ces hedge funds, par la suite, ont massivement vendu la dette. Parce que ce que font les spéculateurs, c'est qu'ils gagnent de l'argent sur la baisse de la dette ou la baisse des actions d'un pays. Vous pouvez vraiment gagner à la baisse si vous pariez, si vous faites des paris avec des instruments dérivés, vous pouvez gagner sur la chute, sur l'effondrement d'un marché. Le préavis de départ, c'était qu'il y a des gens qui se font énormément d'argent quand un État est en faillite, par exemple. Structurellement, c'est quelque chose qui m'échappe totalement. Donc, si c'était possible d'avoir un éclaircissement sur ce point. Bon, c'est très technique. Il va emprunter de l'argent. Il va acheter un actif à un prix futur qui est très bas. Et quand ce prix va se réaliser, il va empocher la différence entre le prix de départ et le prix d'arrivée. Donc c'est une logique complètement inverse à l'investisseur qui achète et attend que ça monte. Voilà. Et c'est comme ça que de très nombreux millionnaires et milliardaires se sont constitués ces dernières années grâce à la crise de l'Europe. Ce sont des faits, j'ai les chiffres, je sais de quel fonds il s'agit, de quel gérant, de fonds spéculatifs. On les connaît, ce sont des Anglais et des Américains pour la plupart. Et ils maîtrisent parfaitement l'art de la spéculation. Donc, ils se sont mis à accumuler des positions vendeuses records fin 2009 et début 2010, positions records contre la Grèce.
La ministre de l'économie grecque de l'époque s'en est d'ailleurs émue parce qu'au niveau du gouvernement grec, ils peuvent voir les mouvements qu'il y a sur leur dette quand même. Ils ont dit qu'est-ce qui se passe. Notre dette fait l'objet d'une sorte de pari baissier féroce tout d'un coup. Effectivement, ces attaques, qu'est-ce qu'elles ont provoqué? Prêter à la Grèce est devenu plus dangereux que de prêter à un pays émergent. Le pays est si endetté que plus personne ne veut lui prêter, sauf à des taux faramineux. Si là, l'obligation d'État, l'obligation souveraine coule, le taux d'intérêt monte automatiquement. Donc, c'est comme ça que tout d'un coup, la Grèce se retrouve à payer 7% à cette époque-là et jusqu'au taux complètement ridicule et absurde de 20% récemment. Et donc, de facto, la Grèce a été éjectée du marché des capitaux. Elle pouvait plus se financer sur le marché international de la dette internationale, si vous voulez. Donc, ça vient des marchés. La Grèce était en crise à travers les attaques spéculatives anglo-saxonnes. Comme l'a remarqué Nicolas, ici présent, Goldman Sachs avait conseillé la Grèce à adopter des instruments très complexes que c'est Goldman Sachs qui avait monté pour cacher la véritable situation de son endettement au reste de l'Union européenne. Tout commence en 2001. La Grèce rentre de justesse dans la zone euro. Pour répondre aux critères draconiens européens sans trop se serrer la ceinture, elle fait appel aux experts de Goldman Sachs. Diminuer sa dette tout en continuant à dépenser, c'est possible. Goldman Sachs prend 10 milliards de dettes émises en dollars et en yens et les transforme en 9 milliards de dettes apparentes et 1 milliard de cash, le tout en euros. L'astuce, utiliser un taux de change sur mesure. Mais ça ne suffit pas. Goldman Sachs crée alors un produit financier et permet au pays de toucher de l'argent tout de suite en vendant ses recettes de demain, taxes aéroports ou loterie. Pour ses bons conseils, la banque empoche 300 millions de dollars de commission. La dette grecque est camouflée, le pays peut continuer à dépenser. Pour la première fois, un des principaux dirigeants de Goldman Sachs s'exprime en français. Vous savez, Yoel Zaoui, qu'on reproche à Goldman Sachs d'avoir aidé la Grèce à falsifier ses comptes. Le résultat, la Grèce est dans le trou et la contagion fait trembler l'Europe. Qu'est-ce que ça vous fait à vous ? Nous avons été appelés en 2001, il y a donc presque 10 ans, pour accompagner les autorités grecques dans un aspect de la gestion de leurs finances publiques. Et avons strictement respecté les règles en vigueur à l'époque, ce que la Fed a d'ailleurs validé dans une de ses enquêtes récentes. Donc, Goldman Sachs avait, dans un premier temps, à partir des années 2000, aidé la Grèce à réduire en apparence son véritable endettement. Pendant ce temps, qu'a fait Goldman Sachs ? Goldman Sachs est allé voir les hedge funds qui étaient ses clients, ces fonds spéculatifs avec lesquels elle travaille, et elle leur a dit, vous savez pas quoi, j'ai une info très intéressante à partager avec vous. La Grèce est beaucoup plus endettée qu'elle ne l'est en réalité. Donc, délit d'initié, voilà, oui, tout à fait, ça s'appelle délit d'initié. La Grèce a partagé, Goldman Sachs a partagé cette information avec ses clients, ce qui a permis à des fonds spéculatifs d'attaquer cette dette à l'avance, sachant que les vrais chiffres de la Grèce allaient être révélés début 2010. Est-ce que vous voulez dire qu'en 2010, vous ne recommencerez pas ce qui était possible en 2001 ? Il y a quelques mois, Goldman Sachs aurait proposé à la Grèce de refaire le coup. Le pays a refusé. Sa situation financière l'inquiète déjà beaucoup. Ce que la Grèce ignore, c'est qu'au même moment, la banque américaine parie sur un défaut de paiement d'Athènes en achetant des CDS, sorte d'assurance contre le risque. Qu'est-ce que vous avez fait de mal ou qu'avez-vous mal fait, vu de votre côté ? Quelle est la part de responsabilité de Goldman Sachs que vous acceptez vous-même ? Il est clair que la crise a eu toute une série d'excès de la part de l'ensemble des acteurs économiques. C'est-à-dire vous aussi ? C'est même à certains égards une crise d'excès. Oui. Une crise de surendettement. Goldman fait partie des grands de la finance et à ce titre porte sa part de responsabilité dans les excès commis par tous. En revanche, nous avons toujours strictement respecté les règles en vigueur. Les gens de Goldman Sachs sont sûrement coupables, mais pas plus que les autres. Ils servent souvent de bouc émissaire. Ce qui est gênant, c'est qu'on ne fouille pas autant dans les activités des autres banques. Il y a des raisons tout à fait valables d'inspecter Goldman. Mais c'est injuste qu'ils soient les seuls. Si on allait dans la cuisine des autres banques, ce serait aussi très laid.
En 2009, en pleine période de crise, Goldman Sachs a obtenu des résultats faramineux, des records. Cette année, tout va bien. Personne ne croit au miracle. Comment vous faites ? Écoutez, la raison principale a été que nous avons gardé notre sang-froid et continué à faire notre métier dans un monde très perturbé. Mais c'est surtout dimanche que se jouera la véritable épreuve sociale pour le gouvernement. Et pour cause, il décidera l'acceptation ou non de cet énième plan de rigueur. Les contestataires de tous bords sont appelés à affluer devant le Parlement. L'enjeu est grave. Si le gouvernement grec refuse les demandes imposées par l'Union européenne, il ne recevra pas le second prêt de 130 milliards d'euros accordé à la Grèce pour éviter un défaut de paiement fin mars. Les forces de l'ordre perdent le contrôle. Athènes s'est embrasée au sens propre. 48 bâtiments sont incendiés, dont de précieux édifices historiques. Le chaos, Athènes s'est transformée en champ de bataille. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, on a atteint cette nuit un niveau de violence tel que s'il n'y a pas des élections, et des élections très rapidement, avril, apparaissant de ce point de vue-là comme l'extrême limite, si on n'a pas ces élections extrêmement rapidement, il y a un risque de guerre civile. C'est quelque chose que l'on ne mesure pas réellement hors de Grèce, mais il faut savoir que aujourd'hui, la police grecque est en fait en état d'insurrection face à son propre gouvernement. C'est un sujet un peu inaperçu aujourd'hui après l'accord sur la Grèce de la nuit dernière, mais un sujet... Même sur la Grèce, c'est assez frappant de voir qu'on en parle très très peu finalement de ce phénomène. L'Assemblée nationale a pris à bras-le-corps le sujet de la ratification du mécanisme européen de stabilité financière. Et c'est un vrai sujet qui pose question. C'est un vrai sujet et qui en fait va beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait imaginer. On est encore en train de construire petit à petit les futurs outils européens et de les découvrir aussi. C'est dans les détails que se cache le diable. Et là, le détail, c'est un article en particulier, un article qui pose problème car il lie le mécanisme européen de stabilité au pacte budgétaire. Concrètement, ça veut dire qu'aucun pays ne pourra être aidé s'il n'adhère pas à ce pacte et donc s'il ne se plie pas aux politiques d'austérité imposées par l'Europe. Du coup, certains députés n'hésitent pas à parler de coup d'État, tellement le dispositif est opaque. L'un d'eux assure que le gouvernement est en train de participer à la création d'un monstre institutionnel, un monstre contre lequel les pays seront ensuite totalement impuissants. On va en faire un fonds monétaire international à l'image de l'Europe, un FME si vous voulez. Il y aura des réformes exigées de la part des pays qui seront aidés. Le salaire minimum va être abaissé de 22%. Il tombera à 580 euros brut, moins 32% pour les moins de 25 ans. Dans la fonction publique, 15 000 postes sont supprimés. Fini les hausses de salaire. Certaines retraites seront même revues à la baisse. Une série de privatisations, le gaz, l'eau, le pétrole et les jeux sportifs, 4,5 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Le message posté par Mario Draghi dans le Wall Street Journal nous concerne très directement. L'homme le plus puissant d'Europe nous dit que si l'on veut sauver la zone euro, eh bien, il n'y a pas d'autre solution que de se soumettre à une double révolution. D'abord celle de l'austérité et puis surtout celle de l'abandon du modèle social qui façonne l'Europe depuis l'après-guerre. Un modèle coûteux, inefficace, dit-il, comme le démontrerait le chômage de masse qui frappe les jeunes et les seniors partout sur le continent. Notre environnement économique et social serait obsolète et pour appuyer sa thèse, il cite un économiste allemand qui dit que la période de notre histoire durant laquelle nous étions si riches que l'on pouvait payer les gens pour ne pas travailler, eh bien cette période est révolue. Et il y aura d'ailleurs de la même manière qu'il y a dans la gouvernance du FMI, la possibilité de prévoir la restructuration de la dette d'un pays qui serait en crise de solvabilité, c'est-à-dire en vraie crise grave comme la Grèce. Ce qui moi m'a le plus frappé quand j'ai été ces deux dernières journées en Grèce, c'est de voir que pour les acteurs grecs que nous avons rencontrés, ça c'est vrai pour tous, des indignés aux syndicats les plus modérés, ils disent quand on a eu le premier plan il y a deux ans, une bonne partie de la population pensait qu'il n'y avait pas d'autre solution. Ils pensaient que c'était dur, mais que c'était une potion amère qu'il fallait avaler. Aujourd'hui, plus personne ne le croit. Bien sûr. Plus personne ne le croit. Et donc on a une population grecque qui est chauffée à blanc et qui est prête à se défendre et prête à défendre la démocratie, c'est-à-dire le fait qu'ils puissent peser sur leurs décisions. Faut-il pour autant, comme le réclament les indignés, refuser de payer la dette et quitter l'Union européenne ? La réponse du vice-premier ministre grec est cinglante. Est-ce que je peux m'exprimer librement ? Mais bien sûr. Aussi librement que général de Gaulle. Oui, allez-y. Ça, ce sont des communistes. Ce sont des fascistes. Et ce sont des cons. Direct,
Donc, on incite la Grèce à adopter des instruments trompeurs qui vont ensuite l'amener à se retrouver plus endettée qu'elle ne l'était. Ensuite, on profite des problèmes que ça génère et on partage cette information avec d'autres fonds spéculatifs. Et alors, après, a commencé une espèce de dépeçage de la dette grecque. Les fonds spéculatifs ont foncé dessus et les autres investisseurs, comme les moutons qu'ils sont, puisque le monde de l'investissement est extrêmement moutonnier, quand ils ont vu qu'il y avait une espèce d'alerte sur le marché de la dette grecque, ils se sont tous mis à vendre. Si vous voulez, les fonds spéculatifs, c'est un peu la cavalerie d'élite hein, qui vient au début, qui déstabilise un pays. Et puis après, vous avez tous les fonds de pension et les investisseurs du monde entier qui, ne comprenant rien à l'histoire, mais voyant simplement que le risque a augmenté là, se mettent à vendre aussi. Et c'est comme ça qu'on coule un pays. Parce qu'un pays qui a sa dette qui s'écroule comme ça et qui doit payer du 20%, eh ben, il ne peut plus que se mettre en quasi-défaut et sortir du marché des capitaux. Alors, voyant qu'ils ont si bien réussi leur coup, les fonds spéculatifs n'ont pas voulu s'arrêter en si bon chemin. Ils ont continué et ensuite, ça a été le Portugal, ça a été l'Irlande, ça a été l'Espagne, ensuite, ça a été la Belgique, ça a été l'Italie et, mais dernière nouvelle, ça a été la France et même l'Allemagne. L'Allemagne, qui est le pays le plus solvable du monde, le plus solide du monde, s'est trouvée plus ou moins attaquée sur le marché de la dette internationale. Ce que je dis, c'est que les Grecs sont cuits, ils s'en ont pour 20 ans, 20 ans de malheur en Grèce. Voilà, on a signé pour et on va continuer à signer. Vous avez la Troïka qui est partie au Portugal, vous aurez la même chose au Portugal, vous aurez la même chose en Espagne, bien que tout le monde dise « Ah ben oui, mais l'Espagne, c'est pas la même chose ». Eh ben si, c'est la même chose. Oui. Si les banques espagnoles sautent, il va bien falloir que quelqu'un les recapitalise. Qui est-ce qui va les recapitaliser ? C'est l'État. Et à partir de ce moment-là, on aura toujours la même chose, c'est-à-dire un transfert de la dette du privé au public. Alors sur l'Espagne, c'est vrai qu'il y a un vrai risque. Sur le Portugal, je voudrais quand même vous rassurer un tout petit peu. La Troïka nous dit que pour l'instant, le Portugal tient ses objectifs. Je suis super rassuré par la Troïka. Non, mais attendez. Je suis super rassuré par la Troïka. Pour l'instant, satisfait de la Troïka, pour l'instant. Mais écoutez, de quoi ? Mais vous rigolez ou quoi ? La Troïka, c'est quoi ? Ces trois crétins qui sont envoyés pour dire ce qu'on a envie d'entendre. C'est le FMI, c'est l'Union européenne, c'est la BCE. Le FMI, vous voulez que je vous ressorte tout ce qu'a dit le FMI et qui a été démenti par les faits 8 jours plus tard. Le Fonds monétaire international nous disait, il y a 3 ans, allez-y, soutenez vos banques, 1, 2... N'hésitez pas à faire du déficit, il faut soutenir l'économie. Ça, c'est des Dominique Strauss-Kahn. Non, maintenant, oui. Et puis aujourd'hui, on nous dit, non, attendez, alors les banques, il faut arrêter, il faut qu'elles mettent du capital en plus. Ça veut dire donc qu'elles pourront moins financer l'économie. Et deuxièmement, non, mais attention à la dette. Je veux dire, et puis on se rend compte quand même dans la réalité que l'Europe n'est pas surendettée dans des conditions folles. On aura encore des attaques, vous verrez. Mais en réalité, tout ça, c'est un combat terrible qui est en train de se mener entre le monde de l'argent, les gens qui veulent faire très vite de l'argent, voilà, et puis le monde de la vraie vie. Face en transition économie, on critique beaucoup le monde de la finance, mais certaines de leurs journées sont très difficiles. Oh. Salut les gars. Oh, ça a pas l'air d'aller fort, hein. Bob, tu ferais mieux de t'asseoir. Bah, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Oh, je peux pas, vas-y, dis-lui, toi. Bah, cette nuit, il y a eu un problème. Les États-Unis sont entrés en croissance et l'euro a été sauvé. N'a rien pu faire. La crise est finie, Bob. Quoi ? Mais c'est pas possible ! Mais quelle excuse on va donner pour pas augmenter les salaires ? Je sais. Mais comment on va exiger la privatisation des secteurs publics ? Excusez les plans de licenciement massif. Et si on peut plus dire aux pauvres de serrer la ceinture, comment on va accentuer la précarité de l'emploi, flinguer les acquis sociaux, délocaliser ? Et sans compter qu'on pourra plus prêter à des taux de dingue, hein ? Regarde, même le taux d'emprunt de la Grèce est retombé à 3% en une nuit. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé, les gars ? On avait tout bien fait ! La mondialisation, les ch'tines enfants dans les usines pour nos coûts de production ! Les subprimes et le plan de sauvetage des banques pour ruiner les États, on les tenait tous entre nos mains ! Mais qu'est-ce qui s'est passé, bordel ? Je sais pas, Bob, hein.
Peut-être que c'est à cause de la caméra là-bas. Ah, et j'ai le bob. Oh, la gueule que t'as tirée. Attends, alors la crise, elle est pas finie? Mais non, et patate, c'est plus que jamais la merde. On continue à s'en mettre plein les fouilles. Oh, les cons. Ah, mais foutu de ces trouilles, hein. Regarde, tu peux te détendre. Oh, j'aurais dû tilter. Les Grecs à 3%. De quoi est-ce qu'on parle, là? On parle du phénomène qui veut que si vous êtes un pays dont la dette est cotée sur un marché, ben vous êtes complètement vulnérable à des attaques, des raids, même je dirais, des véritables raids de la part de financiers sans scrupules. Surtout, le plus important, c'est que ces gens-là ne sont pas du tout réglementés. Le marché de la spéculation, tous les instruments que ces gens utilisent, c'est-à-dire des produits dérivés, ne sont absolument pas réglementés par Washington et par Londres, qui ont refusé de manière permanente et de manière catégorique de toucher à ces instruments-là. Ceux qui viennent aujourd'hui vous dire qu'ils viennent bien saper des banques, etc., analystes, CFA, CFPI, etc., qui viennent vous raconter que les primes qu'il y a sur les dettes souveraines sont extrêmement objectives et reflètent les fondamentaux économiques de ces pays, eh bien, ils vous disent n'importe quoi. Parce que le fait que l'Italie paye du 7% sur sa dette et que les États-Unis payent du 2%, c'est la plus grande absurdité de l'histoire. L'Italie a subi des attaques injustifiées. C'est le pays où il y a le taux d'épargne le plus élevé, et malgré Fabio connaît très bien, il est italien, il va me dire oui, mais l'Italie c'est un pays d'évasion fiscale, de corruption, etc. Non, je suis désolée, les fondamentaux économiques de l'Italie ne justifient absolument pas les attaques qu'elle a subies sur le marché de la dette internationale et les taux d'intérêt grotesques qu'on lui fait payer juste parce que les spéculateurs veulent continuer à gagner d'énormes montants sur la chute de ce marché qui est un énorme... Le marché de la dette italienne est gigantesque. Mais c'est un pays qui a un excédent de sa balance courante avant intérêt, alors que les États-Unis sont déficitaires sur leur balance courante. C'est un pays dont le déficit budgétaire est la moitié de celui des États-Unis. Et pourtant, les États-Unis continuent à se financer gratuitement parce que les investisseurs qui ne comprennent rien et qui sont paniqués, eh bien, on leur dit que c'est la fin de l'Europe, que c'est la fin de l'euro, et ils le croient.